Salut les amis, salut mes petits couteaux, c'est Pixmassive et aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu de Fortnite Zéro Construction en classé. Voilà, c'est un mode de base qui est en duo, donc on va y aller en solo. Pas parce que j'ai pas d'amis, parce qu'en fait le moment où on tourne cette vidéo, tout le monde est en train de bosser, hein, surtout. Je la tourne en pleine journée. Sachant que j'ai repris Fortnite, pour ceux qui vous poseraient la question, j'ai repris Fortnite en vrai il n'y a pas si longtemps que ça, parce que pour ceux qui me suivent un peu, ça fait un moment en fait qu'on n'a pas fait vraiment de Fortnite, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur la chaîne Twitch en vrai. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Donc là j'ai repris Fortnite là, le 3 juillet. Bon, sauf que derrière j'ai une pause parce que bah en fait je suis pas là jusqu'à la mi-juillet. En fait, je reviens chez moi à peu près au niveau du 14-15 juillet. Je sais pas encore précisément quand est-ce que je reviens. Parce que j'ai pris 2 semaines de vacances là tranquille pour me poser. Sachant que le moment où vous voyez cette vidéo, eh bien moi je serais sorti de la retraite de mon père et de l'anniversaire de ma sœur. Et du coup les amis, on va parler de 2-3 petits trucs. Comme vous le savez, ça fait longtemps qu'on joue aux jeux vidéo et tout, ça je vais pas refaire un topo. Sur YouTube ça fait un bon moment qu'on y est. Et sur Twitch, voilà, on a un passé sur Twitch, sachant que bah en fait on est quand même sur Twitch pour ceux qui ne le savent pas depuis extrêmement longtemps sur la plateforme. Sauf qu'en fait j'avais dû arrêter pendant facile 2-3 ans parce qu'en fait la connexion internet ne me le permettait plus. Et là, pour ceux qui l'ont remarqué, niveau Twitch, donc niveau YouTube, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, à part au moment du best-of où on s'était un petit peu vu les amis. Où vous avez pu remarquer que pour certains que le best-of n'était pas extrêmement gros, hein, clairement, un passe-mytho. Il était pas non plus. Ça fait pas partie des plus. C'est pas le plus court non plus. Parce qu'il y avait un peu de contenu. Mais niveau contenu, c'était pas non plus. Voilà. C'est pas non plus. Je vous ai pas non plus mis du gameplay incroyable. Sachant qu'il y avait principalement que 2 jeux. Mais moi quand j'ai fait le montage, j'ai fait ah oui d'accord, j'ai vraiment pas streamé de choses vraiment différentes. Mais du coup, voilà, on va parler un petit peu. Bah, du coup, comme vous le savez, ça fait 2 semaines pour certains. Enfin, maintenant, en fait, ça va faire bientôt plus de 2 semaines qu'on a pas stream. Parce que on n'avait pas stream la dernière semaine de juin. Donc, ça va facile faire 3 semaines, un mois. Mais en fait, pour vous expliquer un petit peu, j'avais besoin un petit peu de cette pause. Alors, je vais m'expliquer. Déjà, comme vous le savez, bon, on est en été. On tient pas tous la chaleur de la même façon. Et moi, de mon côté, venant d'une famille où j'ai une mère qui est migraineuse, pour ceux qui ne le savent pas, je vais l'expliquer 2 secondes, attendez. Tout simplement, les migraines, c'est des très très gros maux de tête suite soit à la chaleur, soit à d'autres événements. Mais voilà, c'est des gros gros maux de tête. Donc du coup, bien, je tiens pas vraiment la chaleur de mon côté. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'étais pas si présent que ça, en vrai, ces derniers temps, sur Twitch. C'est pour ça que vous m'avez pas du tout vu, même sur Twitch, ces derniers temps. On va essayer de faire gaffe, comme il y a beaucoup de monde à côté. Mais voilà, du coup, c'est un peu pour ça que vous m'avez pas tant vu. Et aussi, j'avais plus tellement l'envie de. Cette fois-ci, j'avais pas trop l'envie ni de streamer ni de jouer en vrai, en véridique. J'avais envie d'être, me poser, d'être un peu chill. Parce qu'en vrai, ça faisait un moment que j'avais pas pris de réelle pause en vrai niveau stream. Parce que on faisait quand même pas mal de stream ces derniers temps. Même si c'est vrai qu'on avait quand même un peu ralenti. Mais pour ceux qui le savent, dans mon taf, j'en ai déjà parlé un petit peu. Mais du coup, on a un nouveau chef qui gère extrêmement bien, clairement. Ça me permet maintenant un peu de me reposer, parce qu'avant, c'était pas mal moi qui gérais beaucoup de choses avec mes collègues. Donc j'avais une petite pression sur les épaules. Maintenant, c'est bon, je suis un peu reposé. On essaye un peu de se requinquer comme on peut, on va dire.
Donc voilà, on va essayer de revenir un peu, enfin, même pas d'essayer, on va revenir en stream, les amis. Voilà, bon, ça fait un petit moment, comme je l'ai dit. Mais on va revenir, j'ai quelque chose, quelques petites choses que je vais mettre en place. On va bientôt avoir quelque chose de nouveau. Donc vous verrez une fois que ça démarra, hein. Pour l'instant, je ne veux pas plus vous spoil. Sachant que pour l'instant, précisément, je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre. J'ai pas de date précise. Je sais que je vais reprendre, ça je peux vous l'affirmer. Ouais, je peux pas vous donner une date précise en mode ouais, ce sera le temps. Pour l'instant, c'est je compte reprendre. Là, au niveau du mois de juillet, pour être à peu près sûr. Voilà, pour ceux qui se demanderaient. Quand je rentrerai du coup de mes vacances, alors on va essayer de reprendre. Sachant qu'il faut que je finisse de mettre en place quelque chose pour les streams. Qui est un poil galère, je peux vous mentir. J'ai un peu du mal à mettre en place cette chose. Sachant que c'est pas une chose personnelle que j'ai acheté, c'est quelque chose qu'on m'a offert. Et où en vrai, putain, je m'y attendais pas du tout, clairement. Les personnes qui me l'ont offert le savent, je m'attendais vraiment pas à ce que ça m'offre ça en fait. En vrai, c'est un bon cadeau qui m'a été fait. On va reprendre, comme je vous ai dit, les streams. On va essayer de changer un petit peu quelques petits trucs. En fait, maintenant, on va essayer de faire des choses un petit peu différentes. Maintenant, ça va plutôt être en mode, si par exemple, des fois, j'ai une période en mode, que je vais vous faire qu'un seul jeu en particulier, et bah, il y aura que ce seul jeu en particulier. Sachant que, comme vous le savez, on a tous déjà eu des phases, comme là, j'ai eu ces derniers temps, où en fait, j'avais ni l'envie de jouer, pour vous dire, ni l'envie de streamer. Donc, du coup, j'étais dans un point où, en fait, je regardais beaucoup de jeux vidéo. Beaucoup de compétitions de jeux vidéo surtout. Ça faisait un moment qu'en vrai qu'on n'en avait pas regardé de mon côté. Donc là, ces temps-ci, je suivais un petit peu... je suis toujours, même encore, au moment où je vous parle, l'épopée de Gentlemates. Voilà, de l'équipe du Squeezie, du Brooks et du cher Gulaga. Parce qu'en vrai, c'est une équipe quand même solide sur Valo. Et en vrai, c'est assez intéressant, même si pour l'instant, niveau mode spec, Valo, c'est pas comme le mode spec LOL et tout, c'est un peu différent, c'est un peu plus complexe pour certains à comprendre. Mais en vrai, ça va, c'est pas non plus le truc le plus difficile. Ça se comprend bien. Toi, tu dégages, s'il te plaît, merci. Donc voilà, on va reprendre un petit peu, et en vrai, je vais essayer de reprendre un petit peu de mon côté les suivis de compétition. On va essayer peut-être de reprendre un petit peu aussi le côté compétitif de mon côté. Alors, principalement sur Fortnite, parce que les autres jeux, c'est un peu compliqué. Même si c'est vrai que sur Fortnite, pour l'instant, je commence un peu à avoir de l'engouement pour le jeu. Mais je suis pas non plus à mon prime à un moment où on était en mode vraiment, allez, vas-y, go, on va faire des trucs comme ça. Même si on n'avait pas du tout le niveau. Mais là, c'est vrai qu'avec comme il y a pas mal de constructions, peut-être en obule, on va peut-être reprendre. Donc pour l'instant, je vais pas vous donner de fausses informations, de fausses joies. Mais on va essayer de reprendre un petit peu. On va essayer de se mettre quelques petits trucs comme ça en place. Qu'en vrai, ça fait du bien de streamer un peu, de streamer, enfin là, du coup, de jouer un petit peu de Fortnite. Ou même plein d'autres jeux. On va reprendre aussi Fortnite, du coup, comme on le faisait vraiment à l'ancienne. Là, je vais pas être vraiment en mode full tryhard arène et tout à chaque fois. On va essayer principalement de mon côté de jouer avec vous. Je vais me remettre à jouer avec vous parce qu'en vrai, ça fait, comme je l'ai dit, ça fait longtemps. Et en vrai, ça me manquait un peu. Clairement, je vais pas vous mentir. C'est quoi, c'est un bot, c'est quoi? Ah non, c'est un lama. C'est un Bernard, les amis. Il y en a un Bernard en dessous de nos pieds. Mais on va pas aller le chercher parce que ça ne nous intéresse pas du tout. Là sur le coup. Mais voilà, voilà pour les petites informations les amis. Voilà, on va reprendre un petit peu les streams. Du coup côté YouTube bien sûr, on va toujours continuer. Je comptais pas de toute façon arrêter le stream là comme ça d'un coup net sans aucune explication. Et même je comptais pas arrêter de base le stream. Je comptais même pas du tout l'arrêter.
Je comptais faire une petite pause là comme je l'ai fait, c'était un peu prévu en vrai au bout d'un moment. Je vais pas vous mentir, genre je l'avais un peu imaginé cette pause déjà depuis un petit moment. Mais c'est vrai que j'avais jamais pris le temps. Et sachant qu'en plus dans pas longtemps on devrait peut-être pouvoir se remettre à mieux streamer aussi. Je m'explique là-dessus. Parce que bah comme vous le savez, voilà, on a un nouveau chef et tout au boulot. Et du coup, on va faire des petits changements d'horaire, en fait. Voilà, on va commencer plus tôt pour finir plus tôt, du coup, logique. Donc, pour l'instant, rien n'est sûr. On essaye de voir... Enfin, on va essayer de mettre ça en place assez tôt. Parce qu'en vrai, bah, ça ferait du bien à tout le monde, clairement. Parce que, bon, j'avoue que les horaires, pour l'instant, qu'on fait, c'est des horaires pas non plus dégueux, mais c'est pas non plus les meilleurs horaires du monde, hein, clairement. On va pas se mentir là-dessus. Ça nous arrangerait clairement plus de pouvoir finir genre sur le coup des 16h pour pouvoir après que j'arrive ici, que je sois bah, pas fatigué déjà. Hein, parce que c'est vrai que ces derniers temps, bah, quand je rentrais du boulot, je rentrais, il était quoi? Il était chez moi, il était quoi? Il était au plus tard 19h30. Quand on travaille le samedi, on travaille plus tard. Et voilà. Donc bon. Il y a des moments où il faut savoir un peu comme prendre du temps et tout, donc c'est aussi pour ça du coup que j'avais arrêté, voilà, fallait que je prenne un peu de temps pour moi, que je me pose un peu, que je fasse, même si de base, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, vous le savez, j'adore streamer, j'adore jouer aux jeux vidéo, mais il me fallait une pause clairement, il me fallait un moment de relâchement. Et bah bon bah c'est tombé sur ce moment-là, le moment de relâchement. Mais comme dirait Renaud, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Voilà, on est toujours présent, on sera toujours présent pour streamer et tout. Il y a un invisible, cet enfoiré. Hop, on esquive ses balles, qui s'est pas tiré. Hop, on prendra le loot après. Nice, on lock. C'est nickel ça. On va redonner un coup de repérage. Et voilà, du coup on va essayer de reprendre un petit peu les streams et tout. Ok. Quelqu'un va essayer de nous détecter. On va écouter des tiros. On va essayer de faire gaffe. Bon allez, maintenant, finissons de blablater. Jouons. Tu es là-haut, tu peux pas t'aider. Hop. Hop. Ok, on a lâché notre pompe, ça fait rien. Enfin, on a lâché notre pelle plutôt, ça fait rien. On se casse, il y a trop de monde dans le coin. Nice. On a eu un petit chaos. Fait chier du coup par contre parce que je comptais garder plus de trucs. Mais bon. Non, oui, merci. Ok, il était tout seul, lui.
Oh, il avait un bon pont, cet enfoiré, en plus. Ouais, il fallait quoi repérer les gens. Ce qu'on veut. On va avoir besoin d'aller récupérer du coup le chi, enfin les shields de légendaire là. Oh non, l'enfoiré, en fait il venait d'ici. Ok, on va donner un petit coup de devant. On a besoin de repérer un peu la zone, on a besoin de voir s'il y a du monde dans les parages. On est bien, mais voilà, on pourrait être mieux. Ok, ça tire où par là-bas. C'est un double tiro pour monter. On va aller se déplacer en véhicule. Hein. On a besoin de se déplacer, de sortir de cette forêt. La forêt, ça pue sa mère. Voilà, je retraque mania, je retraque mania. Voilà, on a besoin de sortir de la forêt, là, clairement. On a besoin absolument de sortir d'ici. Hop, voilà, comme ça, on est sorti de la forêt. Hop, d'ailleurs pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on prend pas de katana ou quoi que ce soit, et bah parce qu'il y en a plus. Malheureusement, ou heureusement au contraire, ils ont retiré. En vrai on est assez bien stuff, maintenant on va essayer de finir de détecter les derniers mecs par exemple qu'il y a là-bas, dans le coin en vrai. On va bien repérer les gens qui sont posés là-bas. Ça c'est un bot. Hop, on va. Viens là! Putain, j'avais cru que c'était le logo d'un quad, je me suis dit mais quoi? Ouais, il s'enfuit cet enfoiré. Bien enfui, salopio. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive là, c'est pour ça mon étonnement. Oh, je l'ai déjà. Ah non, je l'ai pas, je suis con. Attendez, je suis con, je suis con, je suis con. On va se redéplacer légèrement vers la jungle en vrai. On a besoin de vérifier s'il reste du monde dans ce coin là. J'ai besoin de checker. Ouais, s'il y a un contrat. On va pouvoir prendre un petit contrat sur des gens. Les top 10, ok, petit top 10, tranquille. Ok, ça se donne le contrat sur des mecs là-bas. Pour l'instant. Ok, décalons-nous en zone en vrai, on n'a pas besoin de pousser. Toi, t'es mort. J'ai besoin de te repérer précisément, toi. Nickel, un autre duo en moins. Je sais pas à quoi ils s'attendaient ces deux-là, mais voilà. On va montrer c'était qui le patron. Putain, j'adore par contre avoir ce truc de détection, clairement. C'est trop fort. Surtout là, franchement, à un niveau où les mecs sont pas non plus excellents. C'est trop bien. Et du coup, on leur arrive sur la gueule et on les éclate.
Ok, lui il a bien... Il nous a bien vu celui-là. On va prendre une petite PM, même si elle est verte. Ça nous permettra de nous remettre un peu. Ok. On a besoin de monter. Casse-toi, enfoiré. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que toi, quoi. Pas un focus que sur toi. Eux, ça va être les deux mecs trop loups, là. Le problème, c'est que j'ai besoin de vérifier qu'il n'y a personne derrière moi, quoi. J'ai besoin d'avoir une certitude que personne n'est derrière moi. Ok. Bon, pensant, vous deux, je sais que vous êtes là-bas, mais moi, je suis safe, hein, où je suis, hein. Moi, j'ai pas besoin de bouger. Bon, vous non plus. Ah, ta gueule, toi. Je sais que ton pote, il est dans le bush derrière. Nous, on va reculer un poil, les amis, pour pouvoir juste ne pas avoir de gens dans le dos. Enfin, vérifier qu'on ait personne dans le dos, surtout. En vrai, on est large, donc on a de quoi se décaler un peu. Niveau shield, on est plus si bien que ça, en vrai. Hein. De base, on avait quand même une bonne game, mais là, voilà. Oh, il y a deux mecs qui ont fait une chute fatale, sérieux, quoi. Ok, top 7, top 7 pour l'instant. Ok, 84. 84 dans ta grosse daroie, mon pote. Ok, toi. On a touché aussi. J'ai peur de deux choses. Soit que les gens soient dans Mega City, soit qu'ils soient là derrière sur la montagne. Le plus flippant, c'est derrière sur la montagne. Le plus flippant, non. Le plus chiant, ce serait qu'ils soient là, quoi. Pour l'instant, il n'y a plus personne, donc c'est bon. Par contre, il va me falloir la zone, parce que sinon, je suis mort. Ok, on est top 6. Il reste deux duos. Il y a deux mecs là-bas. Il y en a un en bas. Bon, mon shoot sur lui, là, il est nul à chier. Donc, lui, il est en train de prendre tarif. Ok, en moins. Ok, en moins encore. Je sais pas comment je vais descendre, mais il faut que je descende. Le shield en le 2. Ok, j'ai mis KO le mec là-bas. Il reste plus qu'un mec tout seul là-bas devant. Ensemble, il n'y a pas d'infos sur nous. Non, j'ai chopé tout le monde. Non, on fait top 2 parce qu'il a une meilleure pose. C'est d'enfoiré, les amis. Bon, les amis, moi, je vous laisse là-dessus. Oh, regardez-moi, il ose me danser dessus alors que c'est j'ai lavé presque quasi tout là. J'ai lavé tout le monde sur la fin. J'aurais dû le shoot en vrai. J'aurais dû mettre qu'une balle sur l'autre au fond et lui full le shoot. Bon les amis, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, comme je vous l'ai dit, on reviendra plus fort. Eh bien, pour les lives, on reviendra d'ici pas longtemps en vrai. Et puis, dès qu'au moins il y aura ce changement d'heure au taf, vous inquiétez pas. On pourra reprendre pleinement et sainement. Bon, les amis, moi, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis, eh bien, tout simplement, à dans deux semaines pour une prochaine vidéo YouTube. Et à plus tard sur Twitch.